Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Itora. Alors, on en est actuellement au troisième épisode, on doit toujours aller en direction des ruines. Alors. Droite ou gauche? Ah. Ok. Alors, maintenir pour charger une attaque puissante. D'accord. Pas mal. Ah ben voilà. Eh ben du coup on peut continuer à avancer. C'est joli en tout cas l'arrière-plan derrière. Ah merde! Je vais me jeter sur les trucs. Ok, ça pas de soucis. Faut que je revienne en arrière. D'accord, ok, faut que je revienne et que je remonte. Ok. Bah heureusement qu'il y a le truc sur la carte quand même. Hein. La destination à suivre, heureusement qu'elle y est quand même. Hein. C'est pas toujours très intuitif quoi. Au niveau de la destination, hein, je parle. Alors, par là. Parfait.
nouvelle zone. Nouvelle zone. Les ruines prohibées. Du moins, là, pour l'instant, on est toujours dans la forêt. Tiens, il était résistant, lui, oh. Aïe. Allez, ça vira. Ah merde, il y a un feu en bas. Je ne l'avais pas vu. Allez. Si je sorte là, je m'amène où là? D'accord, ok. Bon. Au moins on saura que c'est pas par là. Hein. C'est joli là, l'animation là avec l'œil bleu là, clac. Non là j'ai pas le pouvoir, ça sert à rien. Ah merde. D'accord, d'accord. Là, là. Et là, comme ça. On ne manquera pas des feux pour se ressourcer. Hein. Ça y est, on est en ruine. Ah, la musique, j'adore. Hein. Ah, j'adore l'ambiance et tout avec le... Ah, merde! Ah non, franchement, j'adore. Hein. Entre la musique, le soleil en arrière-plan et tout, avec ce coucher de soleil. Hein. Ah, c'est magnifique. J'adore. En plus, l'ambiance. Ces images comme ça, genre en noir-obscur, là. Ah, c'est trop cool. Ah, la musique, elle est pas mal, hein. Ouais, avec ces trucs qui tombent en ruine et tout là. Et déjà là?
C'est dommage que ça n'a pas duré plus longtemps, parce que franchement, j'adorais. Hein. Ah, l'ambiance et tout comme ça, bon. Ah, ça, j'adore ça. Ah! Les fameux pièges qu'on adore tous. Parfait. C'est quoi ça en fait? Non. Comme ceci, non, même pas. Donc c'est pas par là, c'est par là. D'accord, une clé, la clé de ruine. Ah, d'accord, ok, ça y est, j'ai activé certains mécanismes. Ouais, bon, il y en a certains, j'aurais préféré ne pas les activer, mais d'accord, ok. Et la clé, elle sert à ouvrir la serrure là. Ouais, et pour ça, il va falloir que j'arrive à remonter. Les ruines prohibées. Ah d'accord, ok. Non, merde. Allez, on se réveille. Oh. Mais je comprends pas. Ah, quand même. Bizarre.
Aïe. Oh non, ça j'aime pas. C'est bien fait la façon de s'agripper là. Ah merde. Ah ouais. C'est pas mal comme... Ah merde. C'est pas mal comme piège. Ah mais ah oh. D'accord. Ouf. Merde. Ah, bah ça va, il y a un feu là. Ce sont pas mal les épreuves et tout ça, là. C'est cool, ouais. Tout coup, tu t'agrippes. Ouh. Tout coup, tu t'agrippes directement sur le. Les anses et tout, là. C'est cool, je trouvais. C'est quoi ça? C'est extérieur. Ah merde! Il vit d'où lui? Allez, parfait. Oh, il doit y avoir encore des pièges. Fallait s'y attendre. Oh, je me languis d'améliorer un peu ma santé, mes trucs là, d'utiliser un peu les différentes ressources que j'ai. C'est quoi qui tombe là? Qu'est-ce que c'est? Ah, encore la halte. Oh, dépêche-toi, dépêche-toi. Quoi? Oh merde.
Eh merde, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là! Ah! Nouveau pouvoir? Ah! Sauter depuis un mur, ça c'est bien ça! Ça, c'est un pouvoir cool, ça. Ah, merde. Pas grave. Ah, c'est trop bien ça. Ah, ça c'est le top des jeux ça. Alors. Parfait. Ah merde. Ah, voilà. Ah, merde. Oh, il fait mal celui-là. Allez, 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 vas-y, saute, allez. C'est horrible ce zone de merde. Oh, saute-toi. C'est vraiment dégueulasse. Ah. Merde, allez. Ah, pur jeu. Et là, on repasse là. Ah, on continue un peu à avancer la zone. Par là-bas. Bon, là, il faut à nouveau une clé. Non, pas par là.
pas grave. Ah merde là! Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Parfait. Ouf. Bah, c'est un poil de cul celui-là. C'est quoi ça, nouveau pouvoir? Non, cristaux. Quoi? Non mais attends, il y a un problème là. Quoi? J'ai raté un truc, non? Quel intérêt d'aller là si ça ne sert à rien? Bon, là, il n'y a vraiment rien à récupérer. Ok. Mais du coup, quel est l'intérêt? Je comprends pas. Si au moins il y avait un but, je dirais pourquoi pas, mais... On peut la lâcher en tombant, ça? Non. Dès que tu tombes, ça arrête l'animation. Je peux pas le... Il y a quelque chose à faire tomber, non? Obligatoirement. Il y a quelque chose, je pense, à faire tomber pour arriver... Là, tu tombes là. Non, mais je pense sincèrement qu'il doit y avoir un truc, genre... à faire sûrement tomber, non? Pour arriver à tomber là. J'ai rien compris là.
Ah, peut-être là-haut, là. Il y a peut-être un truc qu'on n'est pas allé voir. Non, parce que là, sincèrement, je vois pas où aller. Hein. Bah, sûr et certain, j'ai raté un truc avant. J'ai voulu passer par en dessous, mais je suis pas arrivé. Eh merde! Je prends le chien. Oh. Oh, elle bouge et tout. Mais attendez pas ça. Ah merde. Et non. Une clé? Eh ben tu vois, je savais que je l'avais raté avant. Qu'est-ce qu'il y a par là, là? Ah, ben voilà. Enfin, on a compris comment l'ouvrir cette foutue porte. Allez, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On aura fini du coup le chapitre numéro 3. Je pense qu'on est quasiment donc à la fin des ruines. Voilà, parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'on est quand même à l'intérieur. On a quand même pas mal avancé dans la zone. On a visité pas mal de trucs, récupéré quand même quelques petits coffres, de nouveaux pouvoirs. Ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur un nouveau boss. Et voilà. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Itora. Sur ce, ciao ciao!